Africains, africaines, bonjour. Ivoiriens, ivoiriennes, bonjour. Nous sommes aujourd'hui 1er février 2019. Une date qui va s'inscrire en lettres d'or dans l'histoire de notre pays, la Côte d'Ivoire. Une date qui va s'inscrire en lettres d'or dans l'histoire de l'Afrique. Une date qui va s'inscrire en grand caractère dans l'histoire des Noirs. Bon 1er février. 2019. Je vais vous raconter une petite histoire, quelque chose que vous avez déjà vu, puisque moi je procède toujours par observation de la nature. Alors on va tirer un enseignement que nous donne gratuitement la nature, comment fonctionnaient nos ancêtres qui n'étaient pas des idiots, soit dit en passant. Quand la femme tombe enceinte, son corps s'habitue, s'adapte. Quand elle donne la vie. Son corps s'adapte à l'après. Quand elle donne la vie, elle nourrit le fruit de ses entrailles par l'allaitement. Si elle n'est pas malade, sinon normalement, la femme allaite son enfant quand il vient au monde. Et l'enfant, dès les premières heures de son arrivée ici-bas, la mère met le sein dans sa bouche. Automatiquement, il tire parce que c'est inscrit dans ses gènes. Et l'enfant, il va grandir, il va têter, il va têter, il va têter. Mais au début, ça fait très mal l'allaitement. Donc, je vais donner une information à mes jeunes, à mes filles. Quand tu vas donner le sein à l'enfant, que ça va te faire mal, il faut continuer. Parce que le sein n'est pas habitué à cette euh, section euh, euh, rapprochée-là. Donc, il va, ça, va se, ça va faire des crevasses. Dans la bouche de l'enfant, dans la salive de l'enfant, il y a un antibiotique, il y a un antiseptique. Qui nettoie ses plaies là et qui les guérit plus vite que quand tu arrêtes. Celles qui ont déjà fait des enfants, vous allez vous souvenir, votre maman ou bon votre tante vous a dit, il faut donner quand même. Quand ça fait mal là, c'est là il faut donner. Hein? Je sais de quoi je parle. J'ai fait quatre enfants, je les ai arrêtés, les quatre. Le minimum que euh, de temps, ça a été 15 mois. Donc celui qui n'a pas été longtemps parmi mes enfants là, il a été jusqu'à un an trois mois. Sinon, les autres, là, ça a été plus. Donc, je sais de quoi je parle. Le sein, quand tu le donnes, ça fait des crevasses. C'est le, le produit qui est dans la salive de l'enfant qui aide à le guérir plus vite. Ça, c'était une parenthèse. Alors, la maman, elle va allaiter son enfant. Et puis, un jour, elle va décider de le sévrer. Mais l'enfant, il ne va pas vouloir, il ne va pas accepter ça. Il va pleurer, il va tempêter, il va, avec ses petits doigts-là, essayer de mettre la main dans le corsage de sa maman, essayer même de la griffer et tout, parce qu'elle lui enlève le sein de la bouche. Mais il ne connaît que ça depuis qu'il est né. Tu l'habitues à ça. Mais c'est la nature. C'est ça que il connaît. C'est son droit, c'est son dû. Tu ne peux pas venir à lui arracher ça comme ça du jour au lendemain. Donc l'enfant, il va faire sa petite guerre, sa petite révolution. Et puis maman va dire Non, non, c'est bon. Puis elle va arrêter. Je vais adapter ça maintenant à notre actualité d'aujourd'hui, 1er février 2019. Depuis que le partage du gâteau avait été fait en 1885, là, on a dit que toi tu prends ici, toi tu prends ici, toi tu prends ici. La France a toujours têté les mamelles de l'Afrique. Toujours. Donc aujourd'hui, c'est devenu son dû. Tu ne peux pas venir lui arracher ça aujourd'hui. La France était libre d'exploiter le sous-sol, d'exploiter les ressources minières, d'exploiter euh, tout. Parce que ça a toujours été comme ça. Mais ça ne peut pas continuer éternellement comme ça. Au moment où ça se faisait en 1800 ou bien en 1900, Choué, comme on dit en Côte d'Ivoire, et puis aujourd'hui on est en 2019, là, ça ne peut pas toujours être la même chose. Non. L'enfant, comme l'enfant là, lui qui a toujours têté, là. et puis on vient lui dire d'arrêter le, le sein là. il ne peut pas comprendre. Mais ça a toujours été comme ça depuis que. Pourquoi C'est la même chose. La France ne peut pas se résoudre à arrêter de têter, de prendre le sein, de prendre le sang de l'Afrique. Parce que quand un enfant même dépasse à un moment, à un moment donné, on dit mais c'est ton sang et tête, ou bien c'est pas ça, ce n'est plus sang et tête, ce n'est plus lait et tête, c'est ton sang et tête. C'est la même chose. Prendre le sang de l'Afrique. Par l'exploitation des ressources minières de façon gratuite. C'est comme l'allaitement. Parce que ça touche été comme ça. Mais c'est la maman qui décide de sévrer l'enfant. Alors c'est l'Afrique qui va décider de sévrer la France. Ce n'est pas la France qui, même matin, se dit bon, ok, j'arrête. Jamais. Mais pourtant, dans la vraie vie, il y a des enfants eux-mêmes qui décident d'arrêter le sein. Mais ils sont combien 80% des autres enfants. niette Moi, mes quatre enfants, il n'y a pas un qui a arrêté C'est moi qui ai arrêté. C'est un arrêté doua je ne sais pas. Mais il n'y a pas un qui a arrêté. C'est moi-même moi, qui décidé ai décidé d'arrêter. J'ai été ferme. Au début, c'est sûr que quand il pleure, quand ton enfant pleure comme ça, là, ça te transpèse. Mais à un moment donné, tu es obligé d'arrêter. C'est la même chose. Il va falloir que l'Afrique décide d'arrêter. Cet allaitement là. Il faut que l'Afrique arrête ça. Il faut que la France soit sevrée. La France, tu as eu le temps d'exploiter comme tu veux. C'est bon. Il faut que l'Afrique décide d'arrêter ça. Je rêve peut-être, mais je refuse que ce soit un rêve. Moi, en tant que citoyenne de la Côte d'Ivoire, en tant qu'Africaine de façon humble, j'essaye d'attirer votre attention, j'essaie d'éveiller votre conscience là-dessus. Il faut que nous décidions de sévrer la France. Sinon, ça va finira jamais. On va toujours être déportés comme ça. Je ne vais pas citer de nom. Pour ne pas que ça soit utilisé. <laughs> Est-ce que vous voulez que dans 100 ans, vos arrières, arrière, -arrière petits-enfants vivent encore ce que nous vivons actuellement là On est humiliés, on est bafoués, on est foulés aux pieds. Notre, notre dignité est... Elle est jetée au port. Il faut que ça s'arrête. Mais la maman, quand elle décide de s'évrer son enfant, elle ne le frappe pas parce qu'il veut téter. Et quand il va dire, oh, pousse là-bas, pousse là-bas, elle frappe pas son enfant quand il veut têter absolument. Elle a pris sa décision. Et puis, point. C'est pas avec la force. La fermeté et le « mind ». La fermeté et le mind. Mais c'est aujourd'hui, à partir du 1er février 2019, que ça commence. Ce n'est pas la fin. Hein? C'est un autre chapitre. On a fait des chapitres. Maintenant, on entame un autre chapitre. À partir de demain, 2 février 2019, on entame un autre chapitre. C'est un livre gros comme ça, de plusieurs dizaines de milliers de tomes. Mais on entame un autre chapitre. Afrique, il faut que tu décides de sévrer la France. Parce que c'est la France qui est derrière tout ça. Tribunal pénal international, CPI, Ben Souda, et puis tout ce qui s'agit à Abidjan. C'est la France qui est derrière vous. Vous n'êtes que des pions. Vous n'êtes que des marionnettes. Vous n'êtes que des, des gens qu'on utilise. Ce n'est pas pour vos beaux yeux. C'est parce qu'ils ont vu que vous répondiez aux critères de ceux qui font ce genre de boulot, qui vous utilisent contre vos frères. Vous êtes aujourd'hui tout puissant. Vous décidez de mettre elle en prison, de tuer même et tout. Vous avez le droit de vie et de mort aujourd'hui. Mais c'est passagers C'est passagers Le jour que nous n'auront plus besoin de vous, ils vont vous balancer. Vous êtes tout puissant aujourd'hui. Vous avez tout bouclé, réglé. Hum. Le sevrage, il devra se faire. Et il va se faire. France, tu vas être sévré. De gré ou de force. C'est maintenant que ça commence. Alors, chers frères et sœurs ivoiriens, chers frères et sœurs africains, chers frères noirs du monde entier, nous sommes témoins d'un autre chapitre de notre histoire. Ne ratons pas le train. Faisons partie de ceux qui écrivent l'histoire. Faisons partie de ceux qui vont participer à l'écriture de leur propre histoire. Nous sommes témoins de ce qui se passe actuellement. Alors nous devons chacun prendre son stylo, son crayon, et puis écrire une ligne de l'histoire commune. Ça commence aujourd'hui, 1er février 2019. Chacun qui, chacun écrive mentalement dans sa tête. La France doit être sevrée. Point d'exclamation. La France doit être sevrée. Que ça soit un leitmotiv. Que chaque matin, quand tu te lèves là, ta première pensée là, que la France soit sevrée. Ça va finir par arriver. Ça va créer un égrégore dans l'espace et ça va arriver. C'est ça la prière. C'est ça la prière. Appelle qui tu veux. Mais à force de le dire, ça crée un égrégore. Alors créons tous un égrégore ensemble. La France doit être sevrée. Elle a assez fait de mal comme ça. Moi, je dis que c'est fini. Toi, tu dois dire que c'est fini. Parce que ton arrière-petit-enfant. Dans, 25, dans, dans, dans dans 75 ans, quand il sera la troisième génération, parce que chaque génération, c'est 25 ans, dans 75 ans, ce sera les petits-enfants de tes enfants. Tu veux encore que ce soit la même chose? Non. Alors, réécrivons notre histoire ensemble. On se revoit pour une prochaine vidéo. Je vous aime. Le sevrage, il doit se faire et il suffira. Bye. Eh, la la batería es è, 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 è finita.